J'avais rendez-vous avec un ami au café. Face au problème de plus en plus préoccupant de la surpopulation des chats et des chiens dans nos cités, en accord avec les scientifiques, l'État a estimé qu'il fallait appliquer aux chiens la réglementation en vigueur pour les chats, mieux adaptée à la vie citadine. La distribution de croquettes, commencée depuis le début du mois, se poursuit. La météo sera plus clémente à partir de demain. Ben voilà, il y aura moins de cabots qui traînent dans les rues et plus de crottes. Ils ont raison et je dis bravo. Ils se donnent les moyens de leur politique. Ce jour-là, mon ami le photographe lisait son journal en m'attendant. Ce jour-là, il m'a dit... Tu sais, j'ai fait piquer mon chien. De toute façon, il était trop vieux, le pauvre. Et je pouvais pas le faire passer pour un éleveur. Moi, j'ai bien donné leur croquette d'arsenic à mon chat. Ça m'a fait mal au cœur. Mais bon, c'est fait, au moins on est tranquille. Un chat, c'est un chat, mais un chien, c'est autre chose. Tiens, leur équipe de foot va en finale. Il paraît qu'ils sont forts. Tu sais qu'il n'y a plus la télé à la cité universitaire, c'est interdit. Tu devrais dire à tes parents de t'offrir un nouveau chien. C'est ce qu'il faut faire maintenant. Je me souviens. Le gamin m'avait dit qu'il remplaçait les livres pour enfants dans les bibliothèques. L'apparition de leur journal ne m'avait pas surpris. Je l'avais même acheté. Ulysse ! Ulysse ! Ah, Ulysse ! Je retrouvais mon ami le photographe au café. Il m'a dit... L'art de la vie va être interdit, parce qu'il met en cause les résultats des scientifiques nets qui travaillent pour l'État. Qu'est-ce que je vais faire si je supprime mon journal? Franchement, ton journal a dépassé les limites. Hé, hey, regarde, ce nouveau journal cherche des photographes expérimentés. Mais moi, je fais de la couleur. La photo nette, c'est pas pour moi. Tu vas pas te retrouver au chômage pour une histoire de couleur? Sans couleur, j'y arriverai pas. T'exagères. Une photo, c'est une photo. Un journal disparaît, un autre naît, c'est la vie. Oh!
Pleure pas. Tu vas en avoir un net. Et mieux que celui que tu avais. T'auras plus besoin de te cacher. Tu seras en règle comme moi. Allez, descends de là immédiatement. Ces chats nets sont pénibles. Pas besoin d'avoir peur. Il n'y a plus de chien ici. Dis donc, mais t'en as accroché partout. C'est beau. Tu crois pas que c'est un peu risqué de laisser tout ça au mur? C'est mes photos en couleur. Et chez moi, je fais ce que je veux. Il est magnifique. Je pourrais le photographier. On cherche des modèles pour la promotion des chats nets au journal. Quel journal? Net Matin? Super tes photos. J'étais sûr qu'il te prendrait. T'es le meilleur, même sans couleur. C'est clair et net. On dira ce qu'on voudra, mais il joue un superbe football. La saison prochaine, il y a de fortes chances pour que l'équipe nette écrase l'ensemble des autres équipes. Oui, ça, c'est très très net. Formidable, c'est net. Quelle équipe? Vous avez vu le match? Pas tout à fait, ils sont très très forts, c'est tout à fait net. Votre tailleur est très beau, ma chère. Il vous va à ravir. Il est en taffrat naturel. La coupe est sobre et très nette, comme vous dites. En allant chez mon ami le photographe, j'ai été contrôlé. Dans la cour de l'immeuble, j'entendais les voisins du photographe. Pourtant, il n'avait plus de chien, on le voyait bien. Oui, mais avant, il en avait eu un, en couleur et pas net. Avant? Tu veux dire avant le net? Oui, avant. Le délit maintenant, c'est d'en avoir eu un avant qu'il n'aurait pas été net. Ça, c'est pas difficile à savoir, il suffit de demander aux voisins. Après l'arrestation de 500 dissidents dans la soirée, il est utile de rappeler que le fait d'avoir un chien ou un chat non conforme à quelque part que ce soit est un but. Que cet animal ait été l'autre ou celui d'un membre de votre famille, même éloigné, vous pouvez en répondre. Ce délit est considéré comme une injure à l'État. Dire non, résister davantage.